New Vision Production. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Thank you.
ensemble avec Cantal, Charles Félix et Marie-Camel Lestage. Nous voulons demander bon Dieu dans le gros passage qu'il a fait dans la vie aujourd'hui pour être capable de comprendre, bien comprendre, c'est Jésus qui montre comment le monde doit l'aimer. C'est lui seul qui capable une lumière à force pour ne pas faiblir dans la qualité de travail. Ça. Nous-mêmes, nous venons porter au concours tant que nos amis. Pour nous faire songer, bon Dieu qui est avec vous, depuis le jour du baptême, a marché avec vous dans le chemin. Je vous brise avec l'eau bénite dans le jour du baptême. Ce m'a fait mieux. N'a campé pour nous capables de recevoir quant à Charles Félix avec Marie Camel qui vient fêter Réméo devant mon Dieu Jodia. Nous-mêmes, nous ces familles petites, mon Dieu, yo, et nous rassemblons dans l'église là pour nous servir le témoin dans vos engagements ça yo pas dedans. Non. Comme parents, amis, partisans Jésus-Christ, nous venons dire tout, vous avez le droit de compter sur nous, sur nos compagnons, pour nous aider à mariage à réussir. Nous rassembler pour la prière, ensemble avec vous, et pour vous, pour vous capable de faire plus de progrès. Chaque jour dans la vie de mariage. Côté, c'est lié tête vieux, yon pour l'autre, c'est séparé, yon à l'autre, c'est penser ensemble qui doit commander. Nous pouvons commencer, demander l'esprit qui crée de toute bagarre là, venez habiter ensemble avec. Quant à
sans personne pas chercher pour obéir les paroles. Bayo lumière force dans toutes circonstances. Pour tout côté au passé, tout le monde capable de voir. Les gens de baptise en Jésus-Christ doivent marcher dans la vie mariage là. Pas pour voir Jésus-Christ, grand frère, nous en minons. Les vivants, les bons dieux, la commande ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Saint, depuis tout temps et pour tout temps. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les dit, Dieu les bénit. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Parole du Seigneur. Thank you.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, Lord. One of the Pharisees, a lawyer, in an attempt to trick Jesus, asked him, "Teacher, which commandment of the law is the greatest?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with your whole heart, with your whole soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments, the whole law is based, and the prophets as well." Brothers and sisters, this is the gospel of the Lord. Praise be to the Lord Jesus Christ. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Father. I really don't have much to say directly to our friends, Cantave and Marie Carmel. Why I don't have much to say to them is because knowing who they are, knowing them, I believe that they already know why they're here, and they embrace the reason that they come here fully. Knowing them as being wise, humble servant of God, knowing them as being good steward of God's love and God's creation, I have faith in them, and I trust. I mean, sometimes some things that you take, you take it with a grain of salt, but this one, I have no doubt, this is the work of God. As they commit themselves to live fully before God in this relationship, my word would go to all of us who are here assisting this moment of tremendous love in the making. Not the love that they have among themselves, because they've been loving each other for a long time, but as they come before the church to have their relationship and to have their love recognized by their friends and family members, and also to have the love being brought before God in the church as we witness to this event. Today we celebrate two very important things in our human existence, and this is life and love. Life and love. God is a God of life and a God of love, and the two must go together in order for us to fulfill the will of God, which he has expressed through creation. As we listen over and over to the first reading, in which when we learn how God created the world and creating men and women, and decided that the two should be together and to continue God's creation in love and righteousness before God. Loving one another is loving God. Because as we heard from the book of Genesis, God created men and women both to his image and likeness. Loving our neighbors, which is the second of the two commandments, fulfill the first one,
Because if we love one another, we know we love God. If we love our neighbor, we know that God takes pleasure in our deeds. Because each one of us is an image of our loving God. That is why we must start with the second commandment. Though the first one is the most important one, but the second one is where, really, I would say, the rubber hits the road. It is so hard to love one another. It is so difficult to see in one another the image of God. Vraiment difficile pour nous yon capable respecter l'autre. Les plus faciles pour nous capable dire bon Dieu nous aimons parce que nous pas well. Les plus faciles pour nous dire bon Dieu nous respectons parce que nous pas well. Les plus faciles pour nous dire bon Dieu nous croyons en nous-mêmes parce que nous pas well. But now, can we look at one another in the eyes and say, I trust you. I believe in you. I respect you. I appreciate you. And I love you. I know for my proximity to Kandav and Marie Carmel, you pas peti ça. You pas peti que yon reme l'autre. You pas peti yon l'autre que yon apprécie l'autre. You pas peti yon l'autre que yon fait l'autre confiance. Yon dépend de l'autre. Quand t'as petit temps que moi-même me reconnais tout comme a wise man. Humble, a man of few words, but a man of a big heart. And I have no doubt that the remaining time of your existence here on earth will continue to be a time in which all of us would experience in the most profound manner that love, the love of God, that's been the foundation of your earthly life. Nous continuer croire que restant sur terre, li a continué pour nous-mêmes yon expérience de remer bon Dieu qui chita dans fond la vie, qui se fondation la vie. Marie Carmel, qui a dit maman, because she is one of my many mothers, she is a symbol of pure love, genuine love. Pas gen menti nan li. Pas gen corners, pas gen detours and contours. What you see is what you get. But a woman of tremendous compassion and generosity. Et ça fait nous aller dans 1 Corinthiens côté que Saint Paul a dit nous. Comment que nous capables comprendre l'amour? Because it is not something we just express verbally. But it is something that we must express through our actions. Yon bagay ke moun dwe wè. Et c'est Paul commencé pour dire nous que l'amour, comment que nous connaît côté qui gen remè. Comment que nous capable wè côté que remè li vraiment chita. Et là, 1 Corinthiens, Saint Paul fait nous comprendre que l'aimer gagne patience. L'aimer gagne patience. Ça veut dire, si deux mondes l'aiment, il faut que capable toujours gagner patience entre eux-mêmes. Patience. Ça, c'est un élément fondamental
remè. Pasyans. Pou yon kapab toujou genye pasyans vizavi lò. Pou yon kapab toujou rekonèt ke kon moun nou pa parfè. E nou tout genye imperfeksyon. Men sepandan, pandan ke genye pasyans lan, men an menm tan genye yon dezir pou kapab fè yon lòt plezir. Pasyans. Dezyèm eleman, se komunikasyon. Komunikasyon. E mwen pa di sa pou kantar avèk Mari, parce ke sa son bagay ki yo genyen deja. Men ma di pou nou menm ki la, petèt gen nou menm ki byento, e genyen vokasyon sa, gen apel sa pou nou kapab tie the knot. So, remember those things, communication, tops. All the ingredients for a good relationship. Eh bien, nous continuer à encourager, nous pour nous capables de réaliser que bon Dieu son bon Dieu de relation, il crée monde pour capable unir, il crée monde pour capable rentrer dans des relations, mais relations ça yo, le supposé chita sous communication, sous patience et sous partage. Partager des moments de peine, partager des moments de souffrance, avec des pagains égoïstes. Hein, pagains égoïstes. Et je suis capable de dire, quand avec ma vie, et là, tant que moi-même, que moi passé ensemble avec eux, et visiter eux, reconnaître eux, donc nous sommes capables de dire, je ne vais pas dire que j'ai des fois été parfait, mais ça a pris prêt pour être parfait. Avait dit tout près perfection. Donc en un mot, nous dit bon Dieu merci pour l'exemple que nous tracez, exemple d'amour que nous tracez. Nous montrer que l'amour pas un bagage qui bon, l'amour pas mourir et l'amour pas bien fin. L'amour pas bien fin et l'amour c'est un bagage que nous jouons depuis nous entrer en vente maman nous. Et c'est un bagage qui va continuer dans l'éternité, lorsque même l'aimer ça, qui dit l'aimer mon Dieu avec tout cœur non, avec toute force non, avec tout l'esprit non, et bien c'est même amour ça va continuer, conduire nous ensemble pour nous capables de rencontrer avec cela lorsque tu es créé là, qui te dit nous bon et nous sommes avec lui. Eh bien, c'est preuve ça, je dis, hein, preuve amour, l'amour immortel, ou bien nous capables de dire l'amour éternel, parce que Dieu est amour. Si Dieu est éternel, le vrai amour-là doit être aussi éternel. Amen. Si mon Dieu est éternel, amour-là est éternel. Eh bien, parfois, nous, lorsque nous sommes mariés, nous voyons plus jeune, nous sommes mariés, je dis, demain, nous divorcer, c'est parce que pas bien amour vraiment, parce que l'amour est éternel. Et c'est ça que nous gagnons aujourd'hui là, l'éternité, hein, ou bien l'amour, ça qui est éternel, ça veut dire les petits, les mariés petits, depuis l'enfant de maman, jeune, grand monde, petit monde, jeune monde, jusqu'à la fin et jusqu'à l'éternité. Et bien que l'amour, ça que nous faisons passer aujourd'hui avec lui-même, et bien il continue avec nous, ou même quand on est avec Marie, et bien pour être capable de continuer pour l'éternité. Et même dans l'éternité, nous sommes capables de continuer à aimer toujours parce que Dieu est amour. Et en dedans, cœur bon Dieu, dans l'éternité, et bien, nous continuer à aimer ça toujours. Donc, nous sommes capables de dire congratulations. Et ma petite toute famille, toutes amies, nous tous congratulations parce que nous faisons vraiment cœur bon Dieu content. Nous faisons cœur bon Dieu content. L'étape, ça que nous prenons ensemble. Pour nous capables de venir devant l'Église, bon Dieu, et pour nous capables de témoigner à nous que nous avons gagné une pour l'autre, devant toutes les frères avec soeur, nous, devant toutes les familles, et devant toutes les familles. Et bien que ça nous-mêmes, capacité capable de servir nous, un exemple pour le futur, nous, pour nous capables de bâtir la vie, nous, sur René, bon Dieu, réellement vrai, et René, frère avec soeur, nous, voisins, nous, et bien même Jean n'aurait même tête pas nous. Et premier voisin, c'est le monde qui est beaucoup de là. Marie, c'est voisin, ou c'est voisin Marie, et bien ça c'est premier amour là. Et là, amour ça, bon Dieu, adjoint nous, participe là.
Amen. Ce ma famille, Père, ce qui est un bagage très important là, il dit, your obligation to one another can be summed up in one simple statement. Your duty is to help each other to get heaven. He said the husband fulfills this obligation by being the moral authority at home, part of which means calling your wife to pray and to gentle obedience to the holy precepts and commandments of God. The wife fulfills this obligation by being law authority of the union. And you must teach your husband the mystery of God's love, because it is the woman's heart which instinctively understand this mystery far more naturally than a man. And each other, you must encourage each other to grow in God's wisdom. That is to say, to grow in holiness and to become the saint which God created to be. As man and wife are called to become one flesh. This means more than bodily union, but a union of mind and heart. So, quand ensemble avec Mike Kamel, nous sommes écoutés par le bon Dieu qui dit sa mariage là, et nous-mêmes, nous venons ici là pour nous capables de marier. Est-ce que nous voulons, à propre volonté, sans personne pas forcer pour engagement? Oui. Est-ce que nous acceptons toute responsabilité mariée avec madame, à toute responsabilité parent? Oui. Oui. Si c'est comme ça qu'on est là devant mon Dieu qui n'a mis tant et qui premier fait une même l'autre et qui voulait soutenir une grosse responsabilité ça devant le peuple, mon Dieu, et à qui l'assemblée ici là avec nous pour engagement dans le mari avec madame. Oui, moi accepté. Et vous-même, Kanta, est-ce que vous acceptez pour madame? Vous-même, Kanta, est-ce que vous acceptez pour madame? Oui. Oui, moi accepté pour madame. Oui, moi accepté pour madame. Moi accepté pour madame. Moi accepté pour madame. Moi promets vous. Moi promets vous. Moi vous tout confié. Moi vous tout confié. Pendant toute la vie, moi. Pendant toute la vie, moi. Quand est-ce que vous acceptez moi pour marier? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que moi acceptez-vous pour marier moi? Quand acceptez-vous pour marier? Est-ce que vous acceptez? Moi acceptez. Moi acceptez-vous pour marier moi? Moi promets. Moi promets. Pour moi remets. Pour moi remets. Tout bon vrai. Tout bon vrai. Pendant toute la vie. Pendant toute la vie, moi. On y a devant tout le monde qui est rassemblé ici là,
Moi, je reconnais Quentin avec Marie-Camel, c'est Marie avec Madame. Jean, bon Dieu, voulait sa fête là. Bon Dieu papa, bag sa yo là pour montrer qu'on a avec Marie-Camel, c'est Marie avec Madame, Jean Vlé, ça fait. T'en prie, béni petit yo, fais bag sa yo, fais yo songer. Depuis yo marié, c'est pour yon remè l'autre tout mon vrai. C'est pour yon remè l'autre dit la vie divin. Marie-Camel. Moi remettre bas ça. Pour remettre bas ça. Pour moi montrer où. Pour montrer où. Moi remettre où. Remettre où. Et moi voulais remettre où tout le temps. Moi voulais remettre où tout le temps. Jean bon Dieu Mandéa. Jean bon Dieu Mandéa. Papa. Petit là. Avec l'esprit saint.
prayers. Ce ma frère yo, remen se pi bel kado bon Dieu ba nou. C'est lui qui fait mariage la réussi. C'est lui qui fait la vie donner sous terre en mettant ensemble pour nous la prière bon Dieu papa. Chaque jour, ils comprennent l'autre ni bien, ils respectent l'autre ni plus, ils remettent l'autre plus fort en nom de la prière. On a prié, mon Dieu, pour tout le monde qui mariait déjà. Cap renforcer l'engagement et le plan. On a prié pour toute famille qui est en difficulté, capable de jouer une solution au problème. On a prié pour jeunes gens et demoiselles qui ont grandi, découvrir toute belleté et toute exigence. Remets mon Dieu, mettez dans le cœur. En nom de la prière. Baptisant Jésus-Christ, rivez comprendre ses remèdes qui pigrent l'autre bon Dieu passé. On a prié pour l'Esprit Saint poussé dans la tête nous pour frères à Seigneur, des croix pour nous tous qui ont fait yon seul famille sous terre. En nom de la prière. Bon Dieu papa, pas garder faiblesse nous yo, pas garder manque nous yo, mais voyager au sous petit ou yo, parce que yo voulez changer l'idée yo, yo voulez changer le cœur yo, pour yo remettre Jean ou Mandéa, pas pouvoir Jésus-Christ grand maître moi. Amen. Amen. Thank you.
nous la prier ensemble pour mettre la tête dans la messe qui se service l'Église qui y a. Grand Maître, acceptez tout ça nous venons offrir aujourd'hui. Acceptez Cantave avec Marie-Camel, petit Touyo, qui voulait marcher tout le temps avec nous dans la vie mariage. Faites rejoindre dans Jésus-Christ un modèle avec force si vous avez besoin pour yon, la ville pour l'autre, pour pouvoir Jésus-Christ grand maître nous. Amen. Grand maître avec nous tous. Acceptez souffrir
At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom of power and the glory of yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church,
and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit.
Thank you.
Mes amis, on demande bon Dieu couvrir cantave avec Marie Camel avec bénédiction pour travail bon Dieu voyez yo fait dans société ya pour capable yo cap toujours faire le bien. Bon Dieu grand mère nous c'est vous qui fait ciel la terre ya. C'est vous qui fait bon travail avec vous. C'est vous qui créez garçon à fruit. C'est pour nous qui avons continué de travailler sur terre. Ou bien nous avons quelqu'un qui est capable de remettre. C'est pour c'est vous qui voulez. Quant à Marie-Camel, Marie-Jodia, vous êtes capable de vivre tout le temps ensemble. Vous voulez faire une famille. Côté une va remettre l'autre chaque jour plus plus. Tant que Jésus-Christ qui remène, je lui baille pour la ville pour nous. Tant pis, béni Cantave avec Marie Camel. Côté au secours tout le temps, pour yo cap marcher, j'en voulais. Fait yo joindre quelqu'un temps dans le remède yo. Fait yo arriver, baille la vie yo une pour l'autre. C'est pour vous toujours parler, pour vous aider tout le monde qui a un problème. C'est pour la caillou, tout le monde senti, bon Dieu, à vivre là dans le temps. Bon Dieu, grand-mère, nous, faire, vous toujours confiance dans vous. À Jésus-Christ, grand frère, moi, pour vous travailler sans faiblir, pour faire terre, pour nous une grande famille. Côté pape gain, jalousie, ni raï, ni injustice, ni habit. Pas pouvoir, Jésus-Christ, grand maître nous. Amen. Et nous tous ce ma frère mio qui rassemblés là, après-midi, bon Dieu, a continué le travail, li dans nous. Bon Dieu, a continué, ben nous force. Fait, yo toujours senti faveur ou bayo. Bel jour ça. Ou saute, mettez yo ensemble tous les deux. Fait yo fait yon seul. Nous mandez ou fait yo toujours remet l'autre. Nan bon moment tan kou, nan mauvais pas la vie. Kon sa y apote kou pou yo. Nous bâtissons une société côté chaque monde va respecter l'autre, côté chaque monde va aimer l'autre. Pas pour voir Jésus-Christ. Remettons-nous en. Amen. Et qu'on y a, avant que nous baillons une bénédiction, nous voulons, dans nos papiers, bon, nous qui s'est créé par cela, souhaiter bonne chance à Cantave et Marie-Camel. Et nous avons demandé, bon Dieu, Jean nous a dit là, pour mon Dieu capable toujours continuer à couvrir, pour mon Dieu bailler la vie longue, pour vivre la vie mariage là. Et c'est pour nous-mêmes, nous sommes les premiers qui sont rassemblés là après-midi, ça, pour venir soutenir. C'est pour mon Dieu bénir nous tous, et bénir nous, petit papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Et qu'on y a nous pas le faire, avancer pour être capable de signer. Contrat à mariage. Thank you.
come on. We call Magua. Now let's welcome the sister of the group, Marie Felix. Bye.
Alright, let's not celebrate the love. Let's not celebrate the love. Ma chère fille, ma chère pomme, chers membres de toute famille réunie, chers amis, chers invités, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter Permettez-moi de tout d'abord de souhaiter mes plus vives félicitations aux mariés qui étaient depuis longtemps des fous amoureux, mais qui décident de cette cérémonie pour faire des heureux ce soir en disant oui pour les deux pour toujours. Ce qui constitue une vraie démonstration d'amour. En vous regardant tous les deux, j'ai l'impression que j'ai en face de moi des époux de 25 ans. Faites-vous de silence. À qui je souhaite déjà une longue vie à deux. Mesdames et messieurs, quand mon oncle m'a proposé d'être le parrain de ce mariage, ce fut pour moi un plaisir, une fierté et une immense joie. C'est avec beaucoup de bonheur que je partage cet honneur avec une marraine aussi fantastique. Nous avons en face de nous ce soir deux personnes merveilleuses. Marie est une femme extraordinaire, gentille, patiente, courageuse, sympathique et généreuse. Je comprends qu'elle soit tombée sur le charme de Cantara. Papa Cantara, mon homme bien-aimé, c'est un homme formidable, loyal, honnête et jovial, et aussi tendre avec sa femme qu'avec tout le monde. Au nom de tous, je voulais vous remercier de nous faire participer au plus beau jour de notre vie. Merci de m'avoir choisi comme témoin. Une marque forte de l'amitié et de convivialité qui nous unissent. C'est avec une grande émotion que je vous souhaite à tous les deux, tous merveilles de bonheur, de paix et de joie pour les années à venir. Nous vont tous nos verres. Merci à tous et à vous. Et profitons de cette soirée pour marier votre table et nous aurons. Merci et nous vous passons. I would like to thank everyone who is here tonight to celebrate this beautiful occasion and this beautiful journey with Constance Charles, which I know is Bobby, y'all. I don't know if it's Constance, I know it's Bobby. Bobby and Marie Carmel Felix, we're here to embark on this journey with you two in this beautiful celebration. From my heart to yours, I've seen you as a phenomenal woman who has raised me
from a little girl, us. From little girls. And I've seen you embark on this beautiful journey from the day that I was born. She's loved me, she's took care of me, she's just been this remarkable woman. You guys know, people sitting in this room know that my grandmother has a beautiful heart and she would do anything for anybody. You understand me? I love this woman and I'm just so happy. Some of us are sitting here, maybe married, some not, but she's been able to find love for a second time. And some of us ain't had it for once. She's actually celebrated 52 years. Now she's embarking on another journey, honey. Another journey with this man who I admire because he makes her a better woman. Whatever she done been through, she's able to move on and flourish. And we see the love and we embrace it. We embrace this love, this remarkable love. And for her to celebrate 54, 56, 57 more years ongoing with another person that she loves. You understand what I'm saying? You guys might not understand. Most of y'all might be married and y'all know what I'm talking about. Marriage is a hard, hard traveling situation. Am I lying? Okay, but when we love enduringly in all our heart, it's nothing that you can, nothing you can say when you love someone. I love you, Mom. There's nothing that I wouldn't want for you more than to have this beautiful celebration. And I open you with beautiful open arms. I love you, Bobby. Okay? And I'm glad to be participating, to come from with your grandchildren here today to celebrate. And I thank you, all of you guys, for just being here to love her, to embrace her, and be the diva, honey, that she is. Because, honey, she is working that makeup and that dress. I'm loving her right now more and more than y'all know. This lady is a phenomenal woman, the woman that I would love to be and see myself down the line 54 years from now, honey. Because, baby, she got a long life to live. And, baby, live it. Live it. For everyone, the naysayers, live that, honey. You are diva. The diva that I love. Miss Marie Carmel Felix. I am really a public speaker. I need to speak. My husband does all the talking, but I just felt like I needed to say something. Mommy. I know I was Gunny. When Gunny was like, I knew her as Gunny. My grandmother raised me, and they were so close. Every function Gunny had, you know, Gunny always had to have a function. And we were always there. And when my grandmother passed away, I would never forget. Gunny was like, you know, I feel so bad. I wasn't there for you like I should have been. You know, and now she's just like, just embraced me so well. Just took me under her wings and I appreciate it so much. I didn't even know I was gonna be in this position today. I just thought I was gonna just sit just like everyone else. But she took me in and said, no, I'm here for you. I'm here now and I'm here to do what I'm supposed to do and I appreciate it. And Gunny, I appreciate it so much. You embraced my husband, my kids, everyone. I love you. And we love you too. Thank you. I love you, Grandma. I love you, Grandma. I love you, Mom. I love you, Mom. And enjoy your night, okay? Thank you. All right, let's celebrate. Thank you.
Brazil doing? I don't know. Sound.
out.
maybe tight. Since I'm far away. Grandma. It is all too long. Good luck, Mary. Good luck. True love for my mom. Is that true love? It's amazing. I'm very happy for my sister. That's all I want to say. Mary, we love you, my sister. On behalf of my family, from the bottom of my heart, today is a grateful day, a few days before Christmas, and God has blessed us with a gift of life and a gift of love. And I'd like to wish Mari Carmel the best, all the best wishes, all the best love, and the greatest thing that could happen. Yeah, my daughter, my sister, we love you, and let God bless you a lot of more love. Love you. This is Eric wishing Mari and Bob a very happy life. Even though they had a great life already, I want them to continue having a great life. And we all love you. Love you guys. Bye. Uncle, I love you both very much. And you know that. You are the best. I enjoy the party. And I wish you all I love in the vie prosperous. In vie de bonheur et de joie. Enjoy your life. I know God will look over both of you and your family. Thank you very much for that beautiful party. You make us take part with you. Thank you very much. Thank you, everybody, for coming to my wedding. We had a wonderful time. Appreciate that. Thank you. And get home safe, everybody. Thank you. Say thanks to everybody who come to celebrate my nuptial. Thank you so much, and God bless every one of you. I ain't got anything to say. It was a wonderful and beautiful time we have together. Thank you very much. Thanks to everybody who come to celebrate that beautiful nuptial with me. It was a wonderful evening, and may God bless every one of you, and thank you very much again. Thank you. Bye-bye. And bye-bye, everyone.